Et bonjour tout le monde, c'est Ximoz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, eh bien on devient des pirates dans Minecraft. Il y a des bateaux pirates derrière nous, on est dans un village de pirates d'époque et ça va être trop bien. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de likes. Une vue est égale à un like et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour, donc allez-y, ça me fait super plaisir. Ça prend 2 secondes et c'est gratuit de vous abonner. C'est le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et bah voilà, vous activez la cloche une fois que c'est fait pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Je tiens aussi à remercier les nouveaux sponsors, donc c'est les abonnements payants. Merci énormément à ceux qui ont souscrit un abonnement. Il y a Coclico General Holmes que j'avais déjà remercié. Et hier il y a eu Amaury qui a souscrit un abonnement payant. Alors ça permet, voilà, c'est un abonnement voilà, normal comme d'habitude. Sauf que voilà, c'est pour me soutenir et en échange vous avez quelques avantages. Par exemple je peux vous parler directement. Et en plus de ça voilà, vous avez un pseudo vert et une petite pastille validée quand vous postez un commentaire en dessous de mes vidéos. Comme ça je vous vois beaucoup mieux et vous êtes aussi vu beaucoup mieux par les autres personnes de la communauté. Donc voilà, et en plus de ça je m'abonne à vos chaînes la totale et pendant les lives vous avez des emojis exclusifs que j'ai moi-même fait. Donc voilà, ça permet de me soutenir et aussi d'avoir une petite récompense. C'est à partir de 1€ par mois, 99 centimes, même pas 1€. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Franchement c'est rien du tout 1€ pour les avantages qu'il y a derrière. Il y a plein d'emojis comme je l'ai dit, enfin, voilà tout ce que j'ai dit avant. Et si vous êtes un peu plus généreux, il y a des abonnements à 5€ par mois, 10€ par mois, etc. Donc voilà, je force personne mais ça me fait quand même super plaisir. Donc c'est parti les potes. Regardez, on est dans un village d'époque. Comme je vous l'ai dit, il y a des amis pirates qui sont ici, ils attendent. On a de la nourriture. On va utiliser les bateaux juste après, mais avant j'avais envie de vous présenter mon petit village. Food. Ah oui, bah c'est bon, on a déjà plein de trucs. OK, nickel. Donc on va monter. Donc c'est vraiment village sur les montagnes d'époque. Il y a du pain, il y a un peu de il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc on va monter et on va rejoindre mes amis pirates qui sont sur les autres îles. Alors comment on peut monter sur les maisons plus haut là? Désolé, je viens d'arriver, je viens d'aménager dans le village il y a pas longtemps. Donc tac, c'est parti. Et oui, du coup regardez, j'ai été un naufragé en fait. Voilà, il faut que je récupère des nouveaux habits et tout parce que je me suis échoué sur une île pas loin et j'ai réussi à finir mon expédition puisque j'ai exploré pas mal d'îles. Donc c'est pour ça que je suis un peu avec des habits troués et tout. Et j'ai pas de cache-œil comparé à la plupart des autres pirates comme je l'ai dit. Donc voilà, donc super. Et là il y a d'autres pirates. Regardez celui-là, il a un crochet à la place de la main gauche. Donc voilà, lui c'est un vrai pirate. Et d'ailleurs il m'attaque. Bah ouais, normal, tu veux faire un combat de pirate c'est ça. Mais moi je te tue. Non, on va pas le tuer parce que sinon on va déclencher une guerre. Ah bah ouais, mais il me suit maintenant. Bah oui, tu m'étonnes. Ok, c'est bon, et bah il reste là. Non, parce que sinon j'allais déclencher la guerre dans tout le village. Oh, on a des épées ici. Alors attendez, il y a un truc qui s'active ou c'est juste pour faire joli? Ça a l'air d'être juste pour faire joli. Bah je vais prendre une épée, voilà. Comme ça on va partir en... Mais dis donc, mais c'est qu'il y a du stuff ici. Allez, je vais prendre ça moi. Voilà, c'est bon. Ah mais c'est qu'il y a du stuff ici. Mais attendez, mais on va s'équiper. Non mais c'est quoi ça? Hop voilà, on s'équipe, on est full équipé. Donc voilà, là on s'est habillé, super, on a trouvé des nouveaux habits, on a de la bouffe, on a une épée, c'est parfait. Et on a d'autres pirates qui s'entassent ici, attendez. Ah lui il a un vrai cache-œil, regardez ça. Oh bah oui, normal tu m'attaques gros. Alors ça va être la nuit, je vais essayer de trouver un lit où dormir. Alors est-ce qu'il y a un lit où dormir? Là il y a des grands lits, il y a de la nourriture crue. Ok, on saute par la fenêtre, on est des warriors les potes. Là, ok, et après, du coup on va tester les bateaux, il y en a 5, donc ça c'est grave important. Alors il n'y a même pas de la laine ou un truc qui pourrait permettre de faire des bateaux. Waouh, mais le village est trop stylé. Donc là il y a de la laine et du bois. Je crois qu'on va essayer de piller de la laine et du bois en bas pour essayer de faire soi-même un lit pour dormir. Parce que sinon ça va être vraiment le gros bordel. Donc on va descendre et on va se faire le nécessaire naturellement. Donc il faut du bois et de la laine. Ah ouais, non mais moi je me crois dans Assassin's Creed là, c'est n'importe quoi. Ok, on y va, bim bim. Oh, je me rattrape avec les petits trucs comme ça. On va prendre ici là, j'espère que tu m'en veux pas. Non, il m'en veut pas, il est gentil lui. Donc on va piller un peu sa laine, voilà. On a besoin de 3 laines et de 3 bois pour passer la nuit. Alors il faut 3 blocs de bois, j'ai peur que ça soit des dalles. Oui, bah oui, c'est des dalles du coup. On va la prendre à cette maison ici.
Voilà, je sais, je sens que ma tête va être mise à prix dans pas très longtemps. Donc il faut vite déguerpir de cette île après, parce que là ça va être le bordel. En plus je crois qu'on a fait le tour. Hop, voilà, on récupère les trois bois. Il y a une table de craft ici, c'est parfait. Tac, tac, voilà. Et je crois juste que il y a des trucs qu'on n'a pas vu, c'est vite fait là-bas. Mais franchement, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir dans ces maisons? J'ai quand même envie d'y aller. On sait jamais. Et peut-être que je loupe un truc. Là, il y a une tête. Bah, il y a des vrais lits ici. Bah voilà, j'arrive à explorer un peu plus. Est-ce que dans les maisons un peu plus en hauteur, il y a d'autres vrais lits? Tac. Ouais, mais il y a des pirates avec la barbe rousse et tout, des petites boucles d'oreilles en or. Mais là, c'est vraiment les vrais pirates, quoi. Il y a des vrais lits et tout, mais en fait, pourquoi je me suis embêté? J'aurais pu directement explorer un peu plus. Il y a une petite tour à chaque fois. Oh là, là, j'ai vu un vrai bail aussi. Hein. Ah non, c'est un pirate. Ok. Ok, il y a un pirate. Là, l'entrée, elle est là. Ok, deux pirates. Ok. Bon, bah, et si je dors là, vous. C'est bon. Il y a de l'or. Vous avez vu, il y a de l'or. Si je dors là, c'est bon, hein. Tu m'en veux pas. Il a l'air d'être un peu énervé, mais tranquille, je passe juste la nuit, et voilà. Bon, je crois qu'il me surveille, je vais pas prendre les heures tout de suite. On va dormir, les amis. Et là, ça va être l'expédition. On va aller voir les autres villages de pirates. Alors, donc, du coup, est-ce qu'il fait jour? Il fait bien jour, les amis, c'est parfait. Je casse les vitres, hein, de toute façon. Si t'as un problème avec moi, viens de battre. Ouais, franchement, en plus, le village est hyper grand, c'est trop cool. Donc, on descend. Est-ce qu'on tue le pirate? Parce que je sais que... attends, je vais... Oh purée, il a une jambe de bois. Oh, on va... Ah, on peut pas l'amener. Allez, viens. Bon, on peut pas l'amener. Bon, parce qu'en fait, là, si je vole l'or, ils vont me prendre par... Au pire, je me casse par la fenêtre. Ok, je vais faire comme ça. Go, 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 go. Hop, on prend ça, bim, bim. Et là, on se taille, on met des toiles d'araignée pour les ralentir. Voilà, ah, ça me ralentit moi-même. Et on se barre. On se taille. Voilà, c'est bon, on a récupéré des petites pépites d'or, c'est super. Et là, on va s'enfuir en bateau. Alors, on va tester les différents bateaux, les amis. Il y a 5 bateaux disponibles. Tac. Là, il y a... Non, là, c'est... Ok. Il y a 5 bateaux disponibles, vous voyez. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y en a 4. Alors, regardez, il y en a 3 différents ici. Et là, c'est les mêmes. Mais en tout, il y a 5 bateaux différents. Alors, je sais pas lequel on pourrait prendre. Il y a un bateau avec... je suis pas trop fan de celui-là, mais de toute façon, on va tous les tester. Oh, j'aime bien celui-là, regardez, avec la voile de pirate. Franchement, on prend celui-là, voilà. Oh, regardez, je suis à bord du bateau. Oh là 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 là, ça envoie du lourd, les gars. Du coup, regardez, bon, on voit pas grand-chose. Est-ce que j'arrive à sortir du port? Ouais, j'arrive à sortir du port. Ouah, c'est trop bien, les potes, regardez. On a notre bateau pirate, et là, on est des vrais pirates. Alors, ouah, on peut passer. On va passer sous l'arche, ici. Est-ce que... Non, notre bateau, il est pas assez grand. Il y a un autre village, ici. Où on va en premier? J'ai envie d'aller par là en premier. On va voir ce que ça donne. Voilà. On va voir ce que ça donne. Est-ce que le bateau passe? J'ai bien peur que non. Et non, bah non, ça passe pas. Bon, on peut quand même descendre ici. On peut descendre ici ou pas? C'est risqué, hein. Bon, on va quand même descendre ici. Tac. Voilà, on nage. Bon, il y a un peu de nage à faire. Mais là, c'est les pirates. C'est le temps des pirates, les gars. Hop, voilà, on fait des petits jumps. On casse quelques feuilles. Et oh, en vrai, notre bateau, il a trop de la gueule, hein. Il a grave de la gueule, notre bateau. Je pense que c'est le plus beau. Ok, il y a des haches de viking, mon pote. Je regarde s'il n'y a pas des petites pépites d'or qui traînent quand même. Je vais piller vos villages, les gars. Oh, il y a des fruits. Il y a des fruits, les potes. On prend. Ça, on prend. Ok. Tac, tac, tac. Il n'y a rien dans les fours. Ok. Ce village-là a l'air d'être tellement un village beaucoup plus riche. Il y a des cavernes ici. Oh, ça m'intrigue tellement. Ok. Ah bah oui, mais si je tombe et je me fais des dégâts. Tac. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Là, il y a un coffre. Oh, il y a des fioles d'expérience. On prend. Mais oui, bien sûr qu'on prend. Voilà, parfait. Nickel. Allez, hop, on monte, on monte, on monte. Ici, il y a des dortoirs. Ok, non, en fait, ça a l'air d'être un peu plus la Hesse ici. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes. C'est vrai que c'est un peu la Hesse. Alors, ok, dégage. Oh là, c'est pas un gentil, lui. Hein. Il n'y a pas de pépites d'or. Ils sont pas riches ici. Ils ont pas fait beaucoup de pillages. Hein. Ils sont, ouais, pas fait beaucoup de pillages ici. Oh là là, ça a l'air d'être tellement ouf. Allez, on saute ici. Ouais, il y avait des grandes échelles, des grands échafaudages. Ouah, casse-toi, toi. Casse-toi, 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 casse-toi.
Allez, on remonte. On va essayer de monter ici. Ça m'intrigue tellement ici. Et après, on ira dans le village du fou qu'on a vu au début. Dans le village là-bas. Juste là, ça m'intrigue tellement. J'ai envie de voir ce qui se cache dans ces espèces de grottes. First find the secret lever. And then show. Ok. Ah, attendez. J'étais en mode. Alors, faut que je trouve le levier secret. Et il faut que je. Offering into water for secret. Faut que je trouve le trésor. Faut que je trouve le trésor. Mais cassez-vous aussi là. Voilà. Alors, un levier secret. Un levier secret. Un levier secret. Je m'en fiche, je vais casser la porte. Tac. Peut-être il faut le levier pour ouvrir ça. Je sais pas, on va le casser à la main. Le mec il fait tout à l'envers. Mais bon, c'est comme ça. Alors hop, on casse. On casse. Et on casse. Go 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 go. Allez allez allez. Ok, nickel. Alors si c'est ça le trésor secret, j'ai déjà gagné hein. Oh c'est ça. C'est ça. Yes. Oui j'ai un peu. Oh là là mais oh. Trop bien, regardez, on est riche les gars. On est riche, on est riche. On le prend avec nous, je veux le prendre avec moi. Oh, waouh. Ça nous a donné plein de trucs en or. Oh, c'est tellement bien. Allez, on prend tout, on prend tout. Oh là 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 là, on va laisser ça ici, puisque là, on a bientôt plus de place. What the fuck, les gars. Les gars, on est riche, on est riche. Oh là là. Oh, mais je savais pas du tout qu'il y avait ça. Ok. Oh, dégage-toi. Waouh. Ok. Oh non, non, il y a plein de trucs. Vas-y, vas-y, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Oh là là, en plus ça fait peur avec les ossements là. Bon allez, on se barre vite d'ici. On va se sauver dans l'autre ville. Oh, il y a des canons. C'est trop bien, on peut tirer. Ouais, il y a des canons et tout, mais ça rigole pas du tout ici hein. Ça rigole pas du tout les potes. Ok. Ok, et là tout en haut il y a un feu de camp. Oh, il y a encore des trésors. On prend. Waouh, efficacité. Ouais, mais il y a tellement de trucs, on est riche les gars. Dégage, dégage. Allez hop, t'es mort. Oh là là, toi aussi dégage. Toi aussi dégage. Ya, ya, ya. Voilà, c'est bon. Voilà, là, 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 c'est incroyable. Ok les potes, donc du coup on va descendre et on va repartir en bateau. On va sauter, on va faire un saut de l'ange comme dans Assassin's Creed. Hop là, go. Ok, go, go, on se barre, on se barre, on se barre. On vole un bateau, on se taille. On se taille. C'est un nouveau bateau cette fois-ci qu'on a pris. Il y a celui-là, puis ils sont tous trop beaux en fait. Ils sont tous trop stylés. Mais en vrai mon préféré ça reste celui qu'on a pris au début. C'est celui qui est juste là, là, le un peu vert, vert, gris, noir, très stylé. Et on va les gars se réfugier dans le dernier village, ou en tout cas le village qui est au fond. Et là ça va être propre. Waouh, ok, c'était intense cette chasse au trésor là, franchement. J'ai pas trouvé de levier, j'ai cassé la porte comme un bourrin, mais on a réussi et c'est le principal. Allez hop. Pardon, excusez-moi. Alors, on va, comment on peut remonter ici? On peut pas remonter, on va remonter par là, vous savez quoi? On peut pas remonter par là, bah par le ponton, bah on va remonter par les rochers, on s'en fiche, on fait ça à l'arrache. Ah mais non, mais du coup si j'ai plus rien à manger, il faut que je mange. Voilà, hop là, parfait. Et là, on va se réfugier dans une des maisons. J'espère qu'ils sont... ça va, ils sont pas hostiles. Il y a beaucoup de pirates ici, hein. Il y a beaucoup de pirates. Ça a l'air d'être beaucoup mieux, beaucoup plus soigné. Les maisons se relient toutes entre elles. Et bah, c'est super cool. Oh là là, c'est un vrai petit village. Trop trop cool. Bon les amis, on va se laisser là. Voilà, on va se réfugier. On va se réfugier ici. Ou au pire, on va se réfugier sur cette île. Tac. Voilà, on va se réfugier sur cette île parce que même là, c'est trop dangereux. Donc voilà, on se barre. Regardez ça. Franchement, on a eu un trésor. C'était trop stylé. J'espère que ça vous a plu. Et dans les commentaires, les amis, comme on a eu un trésor, eh bien, regardez, je vous montre un objet et c'est en rapport avec le trésor. Et vous me dites ce que c'est. Et voilà, vous devrez le trouver. Enfin, vous devrez le dire en commentaire. Alors, je sais pas si ça va faire la mise au point. Alors, fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Attendez, je vais faire... comme ça.
Voilà, là ça fait. Ah attends, là ça fait. Non, ça veut pas faire la mise. Voilà, presque. Ça veut vraiment pas la faire la mise au point. Bon voilà, vous voyez à peu près ce que c'est. Normalement, vous avez. J'ai coulé. Vous voyez à peu près ce que c'est normalement. Donc voilà, vous dites ce que c'est en commentaire. Et bah voilà, ce sera le mot du jour à mettre. Bon, on s'est réfugié sur cette petite île, c'est très cool. J'ai en plus mon lit. Je vais essayer de me faire une petite caverne parce que là, vous avez vu, la nuit va bientôt tomber. Donc hop, je vais me mettre sous la paroi de la grotte pour l'instant. Et je vais établir mon campement ici. Bref, les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, pensez à la partager, c'est le plus important. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, c'était Oxymose pour vous servir.